Ah. Je n'ai pas de cible. Je Non, mais préfère même donc pas. choisir une cible. Oh, puis j'aggro tout le... toute la faune locale, quoi. Ah, ça va, c'est pas lourdingue, hein. C'est... Si, complètement, hein. Allez, encore un mob à 1 million de points de vie descendu. Là là, on est loin des morts-vivants de la Malbrèche, hein. J'ai tombé à sec de mana. Oui, vas-y, repose sur ma gueule, ça suffira à rien. Mais ça loot pas, ça m'énerve. Je suis trop loin. Ah, ça y est. Et j'en ai looté deux d'un coup en plus. Trois d'un coup? Et j'en avais deux. Bon, je loot ça quand même parce que le. Putain, j'ai mis à le buter. Un truc là-bas. C'est quoi? Non, ok. Oh non, 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 non. Non, 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 reviens, 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 c'est bon. C'est bon. Hop. Oh non, et oh, casse pas les bonbons. Non, on va s'éloigner de ce truc. Génial, il y a un autre joueur là, on va l'aider un petit peu. Ah purée, c'est bon. Non, allez. Hop. Allez. Bon. Je sais pas ce que ça veut dire en espagnol. Désolé.
Je parle pas espagnol. Despoja, je sais pas. Espagnol. En français. Despoja. Despojar, dépouillé. Dépouillé. Sais pas pourquoi il m'a dit ça. C'est quoi ce truc? Putain, bien né en plus, mais qu'est-ce que... Je sais pas. Les bien-nés, je vous rappelle, ce sont les ancêtres communs... Enfin, ce sont les ancêtres des elfes de sang. Donc, je sais pas ce qu'elle fout là. En quoi puis-je vous aider? Ok, tiens, voilà ça. Ensemble, nous vaincrons. Quête achevée, 1 sur 3. Vous attendez quoi? Que je vous déroule le tapis rouge? Ouais, ce Restez serait le sur vos minimum. gardes. Et ça a pas compté. Fait. À la prochaine! Non, sérieusement, il y avait deux quêtes sur les trois qui comptaient pas comme des quêtes alliées. Oh, fait chier. Bon, auprès de la faction déjà franchie. Bon, ok, d'accord. Bon, bah, j'ai gagné de la répute pour rien. Bon, écoutez, on va se concentrer sur l'histoire. Quelle heure il est là? Ah, c'est bon, j'ai encore un petit peu de temps pour tourner. Paladache, malhonoré. Honoré. Alors, attendez, 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 avant. La Horde nous donne la force. Que puis-je faire pour vous aider? Bah, j'étais pas censé gagner. Ah non, j'en ai 4. Ok, d'accord, j'ai rien dit. La reconstruction se poursuit. Oh! C'est un nouveau fragment pour mon cœur d'Azeroth. Ah, ça c'est cool parce que justement j'ai un emplacement de libre. Bon, ça a pas l'air de d'être truc, mais bon, utiliser vous imprègne du cœur de. Enfin, le cœur d'Azeroth avec le souvenir des rêves lucides. Je sais pas, je. Ah, attendez, si, la description. Vous videz votre esprit et entrez en harmonie avec le cœur d'Azeroth, ce qui produit. Ce qui augmente la vitesse de régénération. De la ressource éclat d'âme de 100% pendant 12 secondes. Ah. Ah. Cool. Et en passif, ça donne quoi? Les sorts et techniques ont une chance de vous restituer 50% de la ressource éclat d'âme dépensée de plus. Vous récupérez 10 000 points de vie. Super. Le truc. Ok. Le truc qui est super. Ok. Alors, on va lire quand même. Nous avons fort à faire, MDG Normand, mais nos troupes sont épuisées et ont besoin de repos. Prendre une décision sur le coup de la fatigue, sous le coup de la fatigue est le moyen le plus sûr de se tromper. C'est tout à fait vrai, monsieur le régent, vous avez tout à fait raison. Ces affranchis ont proposé de mettre leurs troupes à notre disposition si nous comptons survivre ici face aux légions d'Azeroth.
d'Asara, nous allons devoir aider nos nouveaux alliés, accompagner l'un des chasseurs et aidez-le dans ses missions. Quant à nous, nous resterons ici pour discuter de la suite des événements. Soutenez vos alliés à Najatar en amenant l'un d'entre eux jusqu'au rang 3. Oh. Plus jamais un roi ne régnera sur l'une d'argent. Oh. Oh. Oh non, c'est chiant. Il y a ça. Je savais que j'aurais dû m'occuper, que j'aurais dû accepter ce boulot chez les mécanos. Gazleux paye toujours ses gars en rubis sur ongle et il ne les met pas en danger. J'ai aussi entendu dire qu'il préparait un gros coup. Parler à Gazleux. Devant le grand saut à 2h à l'heure. Ok, d'accord. Bon. Ok, bon, bah, ça, donc là, faut retourner à 2h à l'heure pour ça. Là, j'ai une quête journalière. J'espère que vous trouverez ce qu'il vous faut. Case Murloc, mais c'est pas une quête alliée. Donc je m'en fous. Je peux le faire, hein, mais ça sera pas vraiment d'utilité. Plus c'est juste pour gagner du pognon et avoir un petit peu de. Et un peu de répute quoi, mais. Mais ça, à la limite, dans ce cas, je ferai hors caméra, tout ça, mais. Il me faut des quêtes alliées quoi. Pour le coup, c'est mal pensé pour le faire en vidéo, ça. Ou alors, et là c'est encore pire que tout, c'est que j'ai une quête alliée par jour. Et donc, eh ben, va falloir que je coupe pendant 2 jours. Bah, de toute façon, là, les 2 prochains jours, je peux pas tourner, de toute façon. Donc, Bon. Allons voir le truc à Dazar alors. À l'extérieur. Bon. Pas grave, je vais sortir par là. Tiens la garde, je suis pas sûr, patron. Ça a l'air risqué. C'est pour ça qu'on n'emmène pas tout le monde. Pas avant d'en savoir plus. Taille. Je ne traite qu'avec les meilleurs. Où il n'y a pas de risque, il n'y a pas de récompense. C'est l'œil de Gilles Normand. Je disais justement... à Skagit que j'espérais vous croiser dans les parages. J'ai entendu parler d'une opération de l'Alliance dans une vieille chambre forte récemment découverte dans la rade de Tiragarde. Faut que je retourne là-bas. En bon gnome qu'il est, le maître bricoleur Suprétincelle s'est aussitôt enflammé, persuadé qu'il y a je ne sais quel lien avec la contrée légendaire de Mechagon.
Thèse de ses esclaves. Moi, j'y crois pas une seule seconde, mais je mettrai bien la main sur la technologie qu'elle contient, cette fameuse chambre forte. Ça vous dit? Retrouvée grâce le à la décharge abandonnée dans la rade de Tyrgard. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Bon, de toute Ça façon, va être voilà. une mission chirurgicale, Skagit. Une équipe réduite, des gyrocoptères furtifs et au karaté. Libère le reste des mécanos pour aujourd'hui et paie-leur la journée complète. Pigé, patron. Nouveaux ordres. Finissons le déchargement et allons toucher notre paye. Et profitons de la ville. Ok. Bon. Est-ce que je récupère mes points aujourd'hui, Tout moi? a un prix. Oui. Gardez la tête froide. Ben. Ben ouais, du coup. Est-ce qu'on est d'accord, hein? C'est là, hein? Ben oui, c'est là. Pareil, ces quêtes-là, je les fais pas alors que je devrais peut-être les faire. Bref. Je crois que j'arrive là, hein, à Port-Liberté, hein, quand je... Bon. Salutations. Je sais. L'aide, ces garnements ont pris nos parchemins pour se métamorphoser en bêtes sauvages. Nous avons des sorts de dissipation, mais ils ne fonctionnent que de près. Faites attention! C'est une quête. D'accord, ok. Bon, il y a cette petite quête là à faire, mais c'est une quête d'expédition, ça. Ouais, ça va nous détendre de faire ça. C'est court, c'est rapide. D'accord, ok. Ah non, alors ça, par contre, c'est pas cool du tout, ça. Chez moi pour la peine. Bah ouais, qu'est-ce qu'il va faire d'autre? J'ai même pas regardé ce que ça rapportait. Récompense, 100 points de réputation. Allez, oh, c'est pour de la répute. Bon, allez, admettons, c'est pour 100 points de répute. Ok, il y a lui là-bas qui est réapparu. Je vais attendre qu'il lance son truc. Les jeunes ne respectent ni leurs aînés, ni leurs affaires.
Cela ne serait pas arrivé de mon temps. Ok, boomer. Alors, excusez-moi. Votre temps. Ouais. Oh. Les jeunes, mes parents, je les connais. Hein. Quand ils étaient gosses. Hein. C'était pas joli non plus. Hein. Disons que se taper dessus avec les outils de jardinage, c'était monnaie courante, il paraît. Donc, voilà. C'est sûr que de nos jours, on voit plus vraiment ça. Comme quoi, c'était pas mieux avant, hein, faut arrêter les conneries. Hein. Enfin, bref. Oh, les gamins avec leurs jeux vidéo, blablabla. Bah ouais, bon, bah. À l'époque, moi, je connais des gamins de l'époque qui se donnaient des coups de fourche. C'est pas mieux, hein. Je suis désolé, hein. True story, hein. True story. Suis en train de voir, hein, pas où passer. Mince, c'est par là? Si, c'est par là, non? Ah non, il me semblait que c'était par là, mais non. C'est par où? Par là. C'est ça. Bon, on va avoir un petit trajet à faire, hein. Non, je suis désolé, mais bon voilà, en même temps on parle comme ça, voilà. La réflexion de les jeunes ne respectent plus rien, tout ça, Socrate le disait déjà il y a 2000 ans. Hein. Donc qu'est-ce que ça devait être la jeunesse il y a 2000 ans, hein? Et qu'est-ce que ce sera dans 2000 ans, dans notre futur, hein? Pas rien, ce sera juste des valeurs différentes, point. Des occupations différentes, c'est tout, hein, c'est pas. C'est pour ça que c'est vraiment une réflexion de vieux con de dire la jeunesse respecte plus rien, la jeunesse ceci, la jeunesse cela. Ça veut rien dire. Déjà, c'est quoi la jeunesse? Hey! Approchez! Ne vous faites pas repérer!
Parce que moi j'ai 30 piges, il y en a qui pensent que je... Il y en a qui me trouvent jeune, il y en a qui me trouvent déjà vieux, hein. Enfin voilà. Enfin voilà. Bref, on continue notre histoire. Vous cherchez du boulot? Ouais, elle m'a énervé la tortue. Je vous avouerai. Les affaires sont florissantes. Tac tac tac. Mauvaise nouvelle, on arrive trop tard. L'Alliance avait déjà fait main basse sur la chambre forte à notre arrivée. Heureusement, ils ont dû tomber sur un os et certains d'entre eux ont pris la poudre d'escampette, Dardar. Le problème, c'est qu'il en reste encore pas mal dans la chambre forte, notamment ce hâbleur patenté. Ce hâbleur patenté de sup... Ah d'accord, de supre-étincelle. Il va leur laisser encore quelques... leur laisser encore quelques minutes pour évacuer les lieux. Ça nous évitera d'avoir à faire parler la poudre. Attendez que l'Alliance quitte la chambre Si forte. vous avez... Quelqu'un arrive! Planquez-vous derrière ce rocher! Prodigieux! C'est la plus fabuleuse découverte de notre temps! Mégagone! Mégagone? Ce qu'on devait pour gnome attardé? Silence! Naturellement, c'est moi qui dirigerai cette expédition! L'importance de la situation l'exige! Il n'y a pas de place pour vous dans mon gyrocoptère. Vous devrez attendre que Gila vienne vous chercher. Il va vraiment envoyer Gila nous chercher? Aucune chance. J'ai un contrat pré-rempli avec votre nom. Les affaires sont florissantes. Supertincelle est partie. On dirait bien que la voie est libre. Entrons dans cette chambre forte, voyons ce qui s'y passe, Mécagone ou pas, j'espère que ça vaudra le détour et qu'on y dégotera du matériel digne de ce nom. Où il n'y a pas de risque, il n'y a pas de récompense. Allons acquérir du nouveau matos. Ouais, ça fait très Fallout. Des gobelins! Vite, détruisez les machines! Attrape-moi cette grande gueule, Jack! On va la faire couiner. Dégommez tous les autres. Vous vendez ou vous achetez? Quand il n'y en a plus, il y en a encore! Ces gnomes s'imaginent qu'en bousillant tous ces mécanismes, ils vont empêcher un gobelin comme moi de comprendre à quoi sert cette technologie. J'ai encore jamais croisé un tas de ferraille qu'on soit pas capable de retaper et même d'améliorer. Ce bon vieux Skagi et moi. Alors voilà ce qu'on va faire. Vous allez mener l'enquête avec Skagi. Moi, pendant ce temps, je vais avoir une petite discussion avec notre amie, la gnomette, ici présente. Si elle sait quoi que ce soit au sujet de cette technologie, je lui ferai cracher le morceau. Si vous avez besoin de personnel, dites-le moi. Vous avez entendu le patron, les mécanos. Remettez tout ça en état de marche. Sinon, tu sais, la gnome, je peux m'en occuper, hein. Je lui mets le Ultalèche sous la gorge. À mon avis, elle va parler très vite, hein. Ultalèche, c'est le nom de mon arme prodigieuse, hein, je rappelle. Même si c'est pas vraiment... même si c'est pas vraiment elle, hein, Exceptionnellement, les accidents sont couverts. Attention au piège! En vrai, c'est le bâton du gladiateur notoire, mais la transmo, vous voyez, c'est Ultalèche, la faux de Deuil-le-Vent. C'est pour ça que je dis à chaque fois. Quand je dis Ultalèche, en fait, je parle de ma faux. Bon boulot. Le courant doit continuer à passer par cette électrode. Entendu, Skagit. Oh, mais zut, attendez.
Il y a encore des trucs, ok. Ah, ok. Je dois rattacher quelque part. Là, peut-être, non. Pas là, pas là. Oula, j'ai beaucoup de ventes là. Ah, c'est mes manchettes. Attends, je vérifie. Parce que. Non, c'est pas ce que je pensais. Mais. Manchettes de bestiaire, d'accord. Bon, bah, j'ai ça qui est vendu. Alors. Ça, je dois le rattacher quelque part. Je vais essayer de le rattacher là. On va bien voir. Non. Non, non. Non, je ne comprends pas. Je ne vois pas où je dois raccorder ça. Ah non, attendez, je l'ai pendant 9 secondes, c'est ça? Déroule un câble branché sur le pylône alpha. D'accord, ok. Pylône bêta, ok. Ah, attendez, alpha, bêta. Là, j'ai un alpha, ok. Là, j'ai un bêta, ok. Ok, donc c'est ça. C'est parce que j'ai pas réagi assez vite tout à l'heure. Machine au centre. On y travaille. Vous avez idée d'à quoi sert tout ce bazar? Difficile à dire. Ces schémas sont d'un autre niveau. Je ne suis même pas sûre que la moitié de tout ceci soit possible. J'arrive pas à rattacher le bêta. Attends, c'est bien ça. Ouais, c'est bon, ça s'est éclairé, c'est parce que je sais pas, ça. Ouais, je sais pas, ça c'est pas très stable. On a du jus. La machine est opérationnelle. Bon boulot, les mécanos. Ok, et ça fait quoi? Hey, vous cherchez du boulot? Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Alors, les mécanos et vous avez retapé cette machine encore plus vite que je m'y attendais. La gnomette qu'on a capturée refuse de se mettre à table, mais j'en fais mon affaire. Faites-moi confiance, je me débrouillerai. Prévenez-moi quand vous serez prêt et je ferai tourner cette machine à plein régime, histoire de voir de quoi elle est capable, si seulement elle pouvait frapper les pièces d'or. Tu sais, je suis démoniste, hein, question torture. M'y connais un peu, j'ai quelques démons qui ont quelques vices. Voilà, je veux dire, on pourrait la faire fouetter par ma succube, on pourrait. Voilà, mon marcheur du vide pourrait y faire passer un seul quart d'heure. Y a moyen, hein. Il y a moyen, il y a moyen. Hein. Outre Fabrice, il n'y a pas de récompense. Si tu veux qu'elle parle, il y a moyen de la faire parler. Hein. J'ai ce qu'il faut. Hein. Vous vendez ou vous achetez? Excusez-moi, j'ai oublié d'accepter la quête. Ok. Hop. Je ne prête qu'avec les meilleurs. Je suis prêt. Activez l'appareil. Les affaires sont florissantes. La technologie gnome te dépasse complètement, espèce de gros bonnet. On peut me traiter de beaucoup de choses, Gnomette, mais certainement pas de bonnet.
Allez, démarrez-moi ce joujou et voyons ce qui se passe. Frères et sœurs de la gnomanité, durant des générations, la malédiction de la chair nous a condamnés à l'obsolescence. Mais ces jours sont finis. Enfin, la perfection originelle de notre forme, forgée par les titans, va être retrouvée. Tous ceux qui en sont dignes me rejoindront dans Mechagon pour y être lavés de la corruption des dieux très anciens. Venez à moi et soyez jugés à l'aune de l'invention. Ensemble, nous reprendrons notre vraie place. Ok. Présence incompatible détectée. Les sujets indignes vont être neutralisés. Ah, ça sent pas bon du tout. Arrête-moi ça tout de suite. Une minute. J'ai une idée. Donne-moi ce gnome. Hé, les yeux revolvers. Par ici. Vous nous avez sauvé la mise, patron. Heureusement qu'on avait un gnome sous le coude. Maintenant, on a un indice sur la prochaine étape. Ha ! Ça va payer, c'est sûr. Bien. Bon, on a eu quelques pertes. J'ai un contrat pré-rempli avec votre nom. Ok. J'avais déjà entendu cette phrase tout à l'heure, mais je l'ai mal comprise. Mais ok. Si vous avez besoin de personnel, dites-le-moi. Ben comme ça, Mechagon n'est pas une légende. Je me suis bien planté sur ce coup-là. Par contre, si la technologie intégrée à ce roi est un avant-goût de ce qu'ils ont là-bas, on va s'en mettre plein les poches. Attention toutefois à ne pas confondre vitesse et précipitation. Pardon. On a déjà perdu une bonne équipe aujourd'hui. Moi vivant, il est hors de question que ça se reproduise. Skagit et moi, on vous attendra au port de Zuldazar, histoire de préparer notre expédition bien comme il faut cette fois. Gagner le port de Zuldazar à bord du zinc furtif des mécanos. Bien vu le coup du gnome, patron. Mais c'est dommage pour les gars. Dédommage les familles. Et intégralement. On ne rogne pas sur les assurances vie. Compris. Ils apprécieront le geste. Un poil cynique. Hein. Un poil. On va avoir besoin de toute l'équipe pour cette affaire, Skagit. Des contremaîtres, des ingénieurs, des vigiles, tout. On va faire ça dans les règles. Comme si c'était fait, patron. Oula, ça me fait flipper, ça. Parce que quand on chute comme ça, généralement, c'est pas bon, hein. Les représentants seront pas contents des heures sup, par contre. Ils le seront quand ce sera l'heure de la paix. Ce coup va rapporter gros. Vous êtes bien optimiste. Un poil trop, je pense. Attendez, je vérifie un truc. C'est bon, ok.
Hey, vous cherchez du boulot? Où il y a pas de risque, il y a pas de récompense. Le travail ne fait pas peur à mon équipe. On continue sur cette voie, hein. De toute façon, voilà, hein. De toute façon, ça, c'est assez tentaculaire, hein, le scénario de Battle for Azeroth. Beaucoup plus étendu, je trouve, que Légion ou ce qui a été fait tout auparavant. Et j'ai mis ça un petit peu renseigné sur Shadowlands, et Shadowlands, c'est encore plus complexe. Les devs ont carrément pété un plomb, donc... il paraît que Shadowlands est énorme. J'attends que Shadowlands arrive sur Firestorm. Et peut-être qu'on y passera. J'espère que je pourrai faire migrer mon personnage vers un serveur Shadowlands. Vous avez entendu, Gazleux, le patron veut que cette expédition se passe comme sur des roulettes. En gros, on n'a pas le droit à l'erreur. Et on bâcle pas le boulot. Je sais que vous avez déjà bossé avec Galiwix, mais nous, on tolère pas l'approximation. On exige le maximum de nos équipes. Alors, on les paye bien et on les traite correctement. En échange, on peut compter sur les meilleurs gobelins de la planète. Et on est sûr qu'ils n'iront pas voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Voici la liste des gens et du matériel dont on va avoir besoin pour mener à bien cette entreprise. Vous en faites pas pour l'argent. Gazleux prendra tous les frais à sa charge. Rassemblez le nécessaire pour lancer l'expédition de Mechagon. Je suis pas intéressé. Voyons voir. Web, Zuldazar devrait avoir tout ce qu'il nous faut. Bien, ne regardez pas la dépense. Je ne veux que le meilleur. Certes. Certes. Yalla. La négociation syndicale, ça va me faire marrer, je sens. Ah zut, je dois passer par là. Ouais, en fait, je suis obligé de... Ouais, on va prendre le fly, ça sera plus simple. On va prendre le fly. Vous désirez quelque chose? Et on va le grand saut. J'en profite, hein, je regarde rapidement. Ah, j'ai des quêtes qui sont revenues à Volden. Un jour. 21h. 21h, ça va, j'ai le temps de les faire. Donc je les ferai certainement ce soir. Idéalement, il faudrait que j'en ai une quatrième qui pop. Ok. Allons-y dans l'ordre. Ok, voilà. Ah, attendez. Ouais, c'est ça, je dois descendre.
Ça doit être par là. Ah. Alors, c'est un masque du crâne Ricanon que porte votre sœur. Ouais, ça remonte à la rencontre avec l'autre taré de Killrip. Une fois qu'elle l'a vu et depuis, elle s'imagine qu'elle fait partie du crâne Ricanon. Je vous le jure, elle est devenue imbuvable. C'est vrai qu'on en a fait. C'est vrai qu'on a fait les 400 coups quand on était jeune à Kaizan, mais il fallait bien qu'on teste nos inventions. Ça avait du sens, tout ce chaos, mais maintenant, elle balance des explosifs aux quatre vents juste parce que ça l'amuse. C'est pas ça qui va faire avancer le schmilblick. Je vois, je vous souhaite bien du courage. Grazlo a besoin de matériel pour une grande expédition, Mécagone. Grazlo croit avoir trouvé Mécagone. Il n'est pas le premier et je serais surprise qu'il soit le dernier. En tout cas, je suis prête à lui vendre tout ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il lui faut juste? On a des explosifs, des roquettes, des fixations, des visseuses. Des gadgets en tout genre, des câbles, du cajacola, des coffrets surprises, tout quoi. Frais de livraison offerts pour les colis de plus de 10 kilos. Amazon, quoi. Il prendra. Enfin, non, pas au niveau de ce qui est vendu, mais la livraison offerte à partir de temps. Voilà. Il prendra tout ce que vous avez en stock. Ça ne sera pas du luxe. Ok. Un plaisir d'avoir pu vous aider. J'ai acheté toute la boutique, faut qu'on livre tout à son équipage au port. Super. Nice. Ok, ensuite. Non, c'est pas ça. Je dois sortir. Je dois sortir au nord. Toujours le temps pour vous, chérie. D'accord, ok. Admirez un peu ce superbe bateau, il est parfait en tout point, mais comme je le disais à Uraka, la beauté ne vaut que si elle est fatale. Heureusement, les inventions goblines sont là pour arranger ça. Vous avez installé un télescope sur un bateau? Bah oui, c'est pas. Enfin, si, ça se fait un télescope sur un bateau, hein, mais bon. Eh bien, techniquement parlant, c'est un vigiscope surdimensionné. Mais oui, c'est bien mon œuvre, d'accord, ok. J'ai aussi ajouté une tourelle lance-missile sur pivot, une nacelle de secours automatisée et un générateur intégré, sans oublier une bannière gobeline rivetée. Pour que tout le monde sache qui a conçu toutes ces inventions géniales. Uraka était sceptique quand je lui ai proposé qu'on travaille ensemble sur un nouveau projet, mais je crois bien qu'à nous deux, on a créé un vrai petit bijou. Rien n'est impossible quand on associe le savoir-faire des Magars à la technologie Goblin. Gazoulat au Micagone. Salut, Larsouille. Ok.
Pas un mot de plus. Si Gazu a trouvé Mechagon, je pars avec lui. Ok. Ok, pas de soucis. Allez, et on continue. Ok, j'ai pris le rond-point dans le mauvais sens apparemment. Je dois partir par là. Ça a l'air d'être là. Maître des tailleurs, tiens donc. Gaffe à ce que vous dites, hein. Non, t'as rien à m'apprendre. Que Gianni vous porte chance. Par contre, j'avais pas vu, mais... Il a la classe, ce troll. Il a la classe. C'est où? C'est là, c'est là. Excusez-moi, faut que j'éternue. Et bien sûr, ça vient pas. Bon. Représentante syndicale des mécanos. Bon, par contre, l'ambiance sonore est pas là, quoi. Ça roule ? Je vous ai vu causer avec le patron près du chantier. Vous êtes là pour... Vous êtes là pour affaire ou pour faire la fête avec les gars. Je viens juste faire la fête. Dans ce cas, que la fête continue, la représentante syndicale vous met un verre sous le nez et vous force à le boire tout en poussant la chantonnette avec son équipe. Waouh, d'accord, ok. Donc je suis un peu beurré. Ok. Gazleux a une nouvelle mission à vous confier. La représentante syndicale pose son verre sur la table et frotte ses sourcils. Ouais, je me doutais que vous alliez dire ça. Ouvrez grand vos oreilles, l'ami. Mes gars ont enchaîné les heures sup ces derniers jours. Là, ils profitent d'un congé bien mérité. Autant vous dire que Gazleux va devoir casser sa tirelire s'il veut qu'on reprenne du service plus tôt que prévu. Je n'ai pas de temps à attendre. Mettez-vous au boulot immédiatement. Vous êtes tous virés. Ok, d'accord. Gazleux comprend tout à fait. Il est prêt à vous payer les heures en heures supplémentaires. Dès maintenant, cette fois ça suffira pas. À quoi bon être payé en heure sup quand on n'a jamais de vacances pour profiter de son argent? Désolé Crésus, cette fois Gazleux et vous, vous allez devoir faire un petit effort pour nous convaincre. Gazleux propose aussi une prime de risque pour toute l'équipe. La représentante syndicale opine du chef avec un sourire en coin. Ben voilà, on progresse, tripler notre salaire. Je dois pouvoir convaincre le reste de l'équipe. Écoutez, Gazleux, on l'aime bien. Nous, il prend soin de nous et en échange, on prend soin de ses affaires. C'est donnant-donnant. Par contre, il va me falloir un petit bonus pour que toute l'équipe accepte de participer. Un geste symbolique pour marquer les esprits. Wow, 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 wow. Alors, un robot chiot flamboyant neuf pour servir de mascotte à l'équipe. Vous pouvez même choisir son nom. Une grande fête chaque semaine sur la plage de Mechagon. Ah, ça c'est pas mal parce que si on trouve un Mechagon, ça tombe à l'eau. Tournée générale de glace à l'eau aux arômes artificiels. Un nain de jardin offert gracieusement à chaque ouvrier. Un barbecue tout frais payé. Non, des beignets, ou alors des beignets au barbecue, non, c'est mort. Une virée à bord du déchiqueteur de gazeux, d'accord, ça c'est une menace. Une cible de fléchette à l'effigie de
Galivix. Ah, ça peut peut-être leur faire les faire marrer.